Pourquoi avez-vous fait cet acte? J'ai fait ça parce que on nous obligeait à donner des impôts sur le sel. Et à cause de ça, on n'avait même pas le droit de le récolter nous-mêmes. Et cette loi, sinon, on pouvait aller en prison. Une ressource importante pour vous? Le sel, c'est une ressource très importante pour moi parce qu'elle a une grande valeur et très peu de gens y ont accès. Et on a aussi une loi qui nous empêche de récolter par nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la marche du sel pour ôter cette loi-là. Est-ce que vos parents seraient fiers de vous? C'est que mes parents sont très fiers pour moi car c'est quelque chose qui a changé le monde. Et aussi, j'ai été en prison, mais ils ne seraient pas fiers pour ça, mais moi, j'ai changé quelque chose. Quel jour était le plus difficile? En fait, il n'y avait pas un jour précis parce que tous les jours étaient durs les uns les autres. Parce qu'on devait marcher, et on devait trouver l'eau, les refuges où manger. C'était pas mal toutes les journées qui étaient les plus dures. Mais peut-être la première journée qui était dure car on commençait et on était préparés, mais on n'était pas habitués. Durant votre parcours? Ceux qui m'ont le plus aidé en voyage, c'est surtout les dizaines de disciples qui me suivaient, et surtout, et encore plus, les journalistes qui ont pu publier ce qu'on faisait, ce qui a pu être international, et que maintenant encore, on reconnaît ça. Faudrait-il payer pour le sel? Moi, je pense que qu'on doit payer un peu plus pour le sel, parce que c'est une ressource qui est en voie de disparition. Parce que beaucoup de monde récolte, c'est pour ça qu'il y avait une loi, mais en même temps, ça l'empêchait ceux qui récoltaient de temps en temps et qui ne gaspillaient pas d'y avoir accès. Mais c'est vraiment une ressource qui est très importante, qui pourrait disparaître. 300 km de marche. C'était 300 km de marche, pas parce que c'était le but de faire ce nombre-là, c'est en fait que c'est juste la distance qui séparait Ahmedabad de Delhi. Et c'est là qu'on est arrivé à la mer et on a pu recueillir l'eau salée et pouvoir prouver que rien ne pouvait nous arrêter. Quelle est votre nationalité? Je suis indien et plutôt indien britannique. Et je suis né en Inde aussi. C'est là que j'ai vécu ma vie au complet. L'éducation est-elle limitée? Mon éducation était plutôt limitée parce que je suis la petite dernière de la famille. Et ce qui faisait qu'ils ont donné la priorité à mes frères et sœurs qui ont pu, eux, aller à l'école. Moi, vu qu'il y avait déjà pour mes frères et sœurs, moi, j'ai pas pu avoir toutes mes années d'études. Quel était votre emploi? J'ai un diplôme en tant qu'avocat. À part ça, je n'ai rien d'autre. J'ai plus travaillé en tant qu'aider les gens et surtout aussi avec ma désobéissance civile. En quoi consistent vos désobéissances civiles? Avez-vous d'autres idées en tête pour le moment? Combien d'heures avez-vous consacré à votre projet? Comment avez-vous eu l'idée de faire cette action? Combien de membres comporte votre organisation? Pourquoi avez-vous décidé de continuer? Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'autre choix que la désobéissance civile?
Y a-t-il d'autres hacks qui vous ont aidé à lancer votre organisation? 2. 1. Au début, Greenpeace, c'était juste le nom de notre groupe, mais après ça, on a fait d'autres hacks pour l'environnement et c'est devenu une organisation internationale.